C'est un bel événement, un des premiers de l'année. Et puis surtout, c'est un événement qui correspond bien à notre ADN WWF, c'est-à-dire que des parties prenantes, multiples, très orientées solutions, et on travaille avec les entreprises. Donc ça correspond bien à WWF, et aussi à mon parcours, à mon envie de travailler sur ces sujets de cette façon. Alors effectivement, et d'ailleurs c'est un peu le paradoxe, il faut agir vite. En revanche, dans tout ce qui concerne le e-commerce, on se trompe en pensant que la rapidité, l'excès de rapidité est une priorité des consommateurs. La sobriété doit aussi s'appliquer au e-commerce. Inutile d'être livré très vite, c'est un nouveau besoin, un faux besoin que l'on crée pour le consommateur. En tous les cas, c'est notre point de vue d'ONG. Alors bien sûr, la livraison et le e-commerce, c'est aussi décarboner l'ensemble de la chaîne. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est la transparence. Il faut donner l'information au consommateur pour qu'il puisse faire les bons choix. Ça nous semble être des points majeurs que nous, WWF, nous allons porter. Souvent, les entreprises cherchent à trouver des solutions, mais c'est le rythme qui ne convient pas. Il faut agir beaucoup plus vite et s'y mettre tous ensemble. Donc, mon rôle va être effectivement d'être très vigilant sur le timing et les solutions proposées pour qu'elles soient cohérentes.